Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, Olivia Listrac, Virginie Cagliari, remplace Clotilde, Elsa Laouneghini, pendant quelques jours et donne cours aux premières années. Elle se confie ensuite à son ex-copine et amie Claire sur sa journée. Mais, la mère de Louis semble préoccupée par autre chose. Olivia remarque le manque de réaction de son amie. Elle a même peur pour elle et demande ce qu'il se passe. Claire confie que tout va bien, mais reconnaît être tracassée. La chef Listrac pense alors à Louis, Fabien Wolfrom, étant donné que les relations entre mère et fils sont régulièrement tendues, malgré une trêve depuis plusieurs semaines. Claire frappée par un cancer du sein dans Ici tout commence sur TF1. Claire finit par confier qu'elle a peut-être un souci de santé. Rien n'est sûr, mais elle est inquiète. En effet, Claire annonce à Olivia avoir une grosseur au sein depuis quelque temps. La chef Guinot raconte qu'elle ne voulait pas s'appeler. La douleur s'est intensifiée depuis plusieurs jours. De ce fait, Olivia lui conseille d'aller voir un médecin. Claire confirme qu'elle a un rendez-vous cet après-midi pour une mammographie. Elle se reproche de ne pas avoir été vigilante car elle est à risque. La mère de Louis avoue qu'il y a eu des cas de cancer du sein dans la famille. Elle finit par avouer que sa mère en est morte. Olivia, qui a récemment accusé Joachim de la draguer, propose alors d'accompagner Claire à sa mammographie. Mais, celle-ci ne veut pas embêter son amie. La chef Listrac s'impose et prévient, « Je viens avec toi et c'est non négociable. » Claire remercie son ami. Si le résultat n'est pas encore connu, Olivia va être bouleversée et va avoir peur pour son ami. Claire déterminée face à Louis, Olivia de nouveau en couple? D'ailleurs, depuis plusieurs semaines, Olivia et Claire se sont rapprochées et pourraient se remettre en couple. Par ailleurs, si le cancer du sein est évoqué dans la série, cela n'est pas anodin en ce mois d'octobre rose. TF1 et la production d'Ici tout commence font donc passer un message de prévention à travers la série. De plus, il ne serait pas étonnant que Claire ait un cancer étant donné que dans un soap, beaucoup de personnages sont confrontés à la maladie. Cela dit, dans les prochaines semaines, Claire sera en forme et déterminée pour battre Louis, son fils, lors d'une compétition des brigades à l'Institut. À noter que si aucun départ de Catherine Marshall, l'interprète de Claire, n'a été annoncé, l'actrice tourne actuellement dans Meurtre dans le Béarn sur France 3 aux côtés d'Isabelle Otaro, Diane, femme flic, et de Maëva Elaroussi, Inès, la fille de Gary dans Un si grand soleil. La comédienne sera donc absente pendant plusieurs semaines du tournage d'Ici tout commence. Ici tout commence est à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.